Les amis, un film Poubelle Time a été réalisé par quelqu'un de la commune Poppy. Ça a l'air incroyable, on va découvrir ça ensemble. Sortez les popcorns, les boissons, on va aller se mater un bon petit film, ça va nous régaler. Allez, on est parti. Donc le nom du film, c'est L'heure de joie, In the Hour of Joy, dans l'heure de joie. Et ça a l'air vraiment incroyable. Dites-vous que ça a été créé littéralement par quelqu'un de la commune, un peu comme les chaînes qu'on a l'habitude de découvrir d'animation, comme Nautia Games, Boogie Woogie, etc. Voilà, c'est une personne qui a décidé de faire non pas une animation, mais carrément un film. Et en plus, c'est drôle dans le sens où on sait qu'un film à la base est prévu par rapport à Poubelle Time, mais un film officiel. Donc là, ça va peut-être nous donner un petit avant-goût. Et on retrouve le Nightmare Oogie avec un player, mais un vrai player. Ah, ça va être stylé en vrai, je pense qu'on va vraiment kiffer. Par contre, j'ai mis les sous-titres, j'espère qu'on aura les sous-titres. Ah, là, on a le Nightmare Catnap, donc Nightmare Catnap contre Nightmare Oogie in the Hour of Joy. Voilà, oh là là là, by Death King. Donc c'est la personne qui a réalisé le film. La chaîne est en description, bien évidemment. Ça a l'air incroyable, hein. Mais ça a l'air de faire peur aussi, là. L'ambiance a l'air macabre. Oh, notre petit Oogie. Notre Oogie national, peut-être, je pense. Il est bien fait, hein. C'est Oogie Woogie, mais en format réalistique. C'est arrivé il y a si longtemps, maintenant, qui... Le dernier jour de la Playtime Co. Le dernier jour de la Playtime Co où tout le monde était là. Encore là, à mon avis, parce que c'est vrai que tout le monde a disparu après. Le 8 août 1995, le jour où tout s'est effondré, le jour où tout a mal tourné. C'est trop bien, on va revivre l'histoire, le lore de Poppy en film. Ah, c'est une dinguerie. Et je crois qu'il a fait d'autres vidéos aussi, donc si ça vous intéresse qu'on découvre peut-être par la suite d'autres trucs, d'autres créations de sa chaîne, n'hésitez pas à me dire. Playtime Co. Ah, les bons souvenirs du chapitre 1. Ça va être pas mal, je pense qu'on va vraiment kiffer. Ah! Eh ben, Oogie, il a l'air de vouloir kiffer avec nous aussi. Eh, il y a le prototype aussi. Bon, là, on est vraiment mis dans le bain, il n'y a pas de souci. Par contre, Oogie, je sais pas ce qui va arriver à Oogie, mais une telle préoccupation, comment cela peut se passer comme ça? Est-ce que cela leur fait juste peur? Est-ce qu'ils assument réellement certaines des actions de cette créature? Ouais, donc apparemment, dans la Playtime Co, le personnage que vous venez de voir fait le tour et fait des câlins aux gens. Et murmure des chansons vraiment effrayantes dans leurs oreilles. Il parle de Oogie là, toujours? Ah, que la chanson du clip, pas mal, la petite référence, c'est pas mal. On l'avait découvert, le clip. Attends, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent? Par contre, c'est copyright normalement cette chanson. Du coup, je vais essayer de parler par-dessus au cas où, pour pas me faire copyright. Une chanson qui désherbe le chemin? C'est la meilleure rime qu'ils pouvaient trouver. Eh, mon dieu, mais quel idiot a écrit ça, hein? Bon, la traduction, je pense, a voulu dire autre chose. N'a pas justement dit ce qu'il a réellement dit. Ok, celui qui a écrit ces paroles doit être viré, parce que ce sont les pires paroles de l'histoire. Oh, ça va, je te trouve un peu dur, mon ref. Oh, bah tu vois, ça c'est le karma là. Le karma qui sonne à ta porte, frérot. Wow, wow, mais qu'est-ce que... Salut, Boxy. Ça va, mon frérot? Tu t'ennuies des fois dans ta boîte, justement pas? Alors, on voit le catnap là. Là, c'est les plans qu'on avait vus à la fin du chapitre 3, hein, quand on avait eu la cassette par Poppy. On avait eu cette vidéo là, on voyait tout le monde mourir. Oh mince, ça ne peut pas. C'est pas possible. Et pourtant, si. C'est vrai que c'était assez glauque hein, comme vidéo. Là par contre ça a été créé je pense, ouais. Ça a été recréé par la chaîne. Waouh là 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 là, j'ai des frissons tellement c'est glauque. Et on est bien dans l'esprit Poubelle Time, c'est ça que je trouve fascinant. Pour l'instant, le film est vraiment lourd, hein. Ça me donne tellement envie de voir la suite. Je suis vraiment imprégné dedans. Enfin, immergé plutôt. Et le refton là, pas passé un moment. En même temps c'est Oogie dans les parages, c'est tout à fait normal. Ah, c'est Oogie qui va vlogger maintenant, hein. Il va prendre la caméra et il va taper son meilleur vlog. Pour la mettre sur sa chaîne Oogie Woogie officielle. Bon, j'essaye de trouver quelques petites vannes etc. pour détendre l'atmosphère, parce que là vraiment on va pas se mentir que l'atmosphère est vraiment bresson à mort. Ah, attends, on a 4 nappes, décidément, tout le monde est sorti aujourd'hui. Manque plus que Mommy Longlegs et non on a le trio des enfers. Ah, les Smelly Critters, on est de nouveau sur le clip. On va faire comme si rien ne s'était passé, hein. Je n'arrivais pas à y croire. C'est exactement... Il m'avait prévenu. Ah, son biscuit et Viltoise. Ah, ok, tous les jouets vont tuer tout le monde. Oh mince. Là, on est en mode POV. Je n'arrive pas à y croire. Ils ont tué absolument tout le monde. Je jure devant Dieu que si on revoit cette... Je t'arrache les jambes, une par une. Tu t'as baissé la voix. Sinon, on va se faire repérer. Attends qu'ils sont deux, alors. Eh, hey, derrière toi. Oh, c'est Mommy Longlegs. Eh, c'est incroyable. Je kiffe trop, je suis trop fan. Non, la Poppy, la commune Poppy, c'est vraiment comme la communauté FNAF. Elle est tellement investie, il y a tellement de choses qui sont créées. Je trouve c'est
communauté vraiment vraiment incroyable et je suis très fier d'en faire partie avec vous. Tu vas bien? Mais frère, il vient de se faire embarquer par Mommy Longlegs, frérot. Et il y a du sang par terre, comment est-ce que tu veux qu'il aille bien? Et puis ce Mommy, vous savez, c'est limite la pire de tout, frère. C'est une vraie sociopathe. Oh là là, ses cris, ça n'avait pas manqué, là. Salut, Mommy! Ah, franchement, je suis grave heureux de te revoir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Tu veux jouer à des jeux? Tu aimes jouer à des jeux? Et si on jouait à des jeux avec Mommy, hein? Pas la maman! Stupide spaghetti ambulant! Eh, il a pas peur, le player, hein. Il sait la puissance du Grab Pack, tu vois. Il a pas peur. En même temps, c'est vrai que c'est censé être surpuissant, hein, le Grab Pack. Ça peut décocher une tête si tu fais ça sur un humain. Ça peut clairement lui faire valser sa tête. Oh, mais non, mais vous moquez de moi, là, c'est pas possible. Ah, bien sûr, il chante la chanson. Il y a Les Smiley Critters, Iggy Woogie derrière. Bon, j'ai toujours voulu essayer cela. Ah ouais, trop bien, là c'est en mode Tarzan là. Espèce de chat stupide, pourquoi est-ce que tu soufflerais pas un peu de cette fumée rouge hein, dans tes fesses? Et peut-être que tu pourrais essayer de m'avoir, hein. Ouais, le karma, et lui il va vite crever, hein. Il fait trop le malin genre. Attends, il a tous les monstres de la Petenko face à lui, il fait le malin. Eh, couché mon petit, hein. Toi et moi on est cool, hein. Ah, Iron Ron, ça va? Écoute, mec, je suis juste le concierge. Moi, je n'ai rien à voir avec toi. Les jouets maléfiques, tout ça, on peut faire comme si on s'était jamais vu. Wow. Au début, je pensais qu'il allait dire non, mais non, attends, il est attiré par quoi la catnap? Il fait genre qu'il y passe par-dessus, mais pourquoi? Ah, il entend la chanson. La chanson les attire, en fait, c'est ça. Il faut laisser le clip tourner en boucle pour attirer tous les persos. Dieu merci, ils m'ont laissé. Ouais. Oh, c'est trop bien fait. Waouh, la structure du prototype, qui est d'ailleurs existe dans le jeu. Hein. Tu le sens? Moi, je sens que ça sent la merde, surtout, ouais. Ça n'a aucun sens. Toutes les façades, elles sont artificielles. C'est redondant. Oh là là, quel stupide... Je sais pas ce qu'il a dit, il n'y a pas eu les sous-titres. C'est vraiment très angoissant par contre, hein, parce que là on dirait vraiment la playcare. Le manoir là. Je vais y arriver. Home sweet home, voilà. Ah, chanson stupide. Une chose est sûre, c'est que je serai mort avant de chanter cette chanson. T'auras peut-être pas le choix, mon gars. Peut-être qu'à la fin tu seras obligé de chanter comme tout le monde. Pour vivre l'heure de joie. Oh. La chaîne Devking est entièrement consacrée aux chiots et aux chatons. Si vous abonnez pas à Devking, vous détestez alors les chiots et les chatons. Et vous ne détestez pas les adorables chiots et chatons quand même, non? Il paraît que si vous abonnez à la frite 2.0 aussi, ça montre que vous aimez les animaux. Donc il faut s'abonner directement. Et laisser un like aussi, ça fait toujours plaisir. Bref, revenons-en du coup dans le film, parce que là on rigole. On voit pas le fond du bol. Mais ça reste de dégénérer tout de suite là. Qu'est-ce qu'il est? Jack? Oh Dieu merci! Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oh, ça fait peur là avec le cadavre, les... Smiley Critters, c'est-à-dire qu'ils sont en vie, mais pas trop non plus, je sais pas, ça m'angoisse. Ah, bien sûr, la plupart des autres n'ont pas été aussi chanceux. Écoute, tu sais, ces méchants hommes qui mangent tout le monde, là? Ouais. Qu'en est-il? Eh bien, ils tuent et mangent absolument tout le monde. Quoi? Ce que je sais, c'est que personne n'aurait pu prévoir une telle chose. Écoute, tu dois te rendre au placard d'approvisionnement au sous-sol. Il y a un appareil là-bas qui pourrait nous aider. Au sous-sol, un appareil, mais Jack, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu peux pas me jeter comme ça. Ok, quand tu le verras, écoute. Jack? Jack, pourquoi tu parles plus là? Jack, tu m'inquiètes là? Jack? Pourquoi il parle plus? Jack, t'es en train de te faire grailler le cerveau ou c'est comment là? Explique-nous, je sais pas, dis... On suit un POV, donc dis-nous. Oh mince. Ah non, c'est elle. Ok, c'est elle. Non, j'avais pas compris, je pensais que c'était Jack justement, qu'on avait la vision de Jack, mais non. Oh là là, l'école. Oh là là, l'ambiance de l'école. Oh, déjà en jeu, c'est quelque chose, mais alors en mode réalistique comme ça là. Dinguerie. Et pourquoi il y a toujours des Crafty Corn là? Super flippant là. Ça va, Crafty? T'as peigné quoi aujourd'hui? T'as dessiné quoi? J'ai du rouge si tu veux, hein. Mais t'auras pas le rouge de mon sang. Sache-le. Ah, le masque. Faut qu'elle prenne le masque. Donc ça veut dire que c'est fini, Jack? Jack, celui qu'on avait au tout début, il est mort? Et là, on serait du coup maintenant avec le point de vue. Je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, parce que les sous-titres ont pas réussi à bien décrire son nom.
Bon, là, on a tous les éléments du chapitre 3. Hein. Les piles, les Smelly Critters, même le gars, le cadavre, il avait un vêtement Petenko. Miss Delight, si on bouge pas, elle ne bouge pas. Donc, on bouge pas, hein, je pense que ça vaut mieux. Moi, j'ai eu ma dose la dernière fois là, avec elle. Oh, ben voilà, tu vois, elle a bougé, ben voilà. Ah ouais, non, Miss Delight, c'est la pire. La vérité, c'est la pire. Je sais pas, honnêtement, hein, si je devais me retrouver dans une situation où je me retrouve face à l'un des monstres de la Petenko, je pense sincèrement que Miss Delight, c'est l'une des monstres que j'aimerais pas avoir devant moi. C'est la pire pour moi. Ah, tu es là? Ouais, Katniss a dit la même chose. Et puis, il a mangé tout le monde. Écoute, moi, je ne suis pas ton ennemi. Mais je ne peux pas te laisser partir. Là, ce qui est en train de se passer ici, c'est beaucoup plus grand que nous. Ouais, c'est certainement plus grand que toi. Elle l'a insulté, je crois, en plus. Tu mérites une explication. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Et pourquoi? Je veux dire, je suppose que les jouets maléfiques en ont marre que nous expérimentions constamment sur toi et toute cette merde. Alors vous avez décidé de nous tuer. Écoute, j'aurais aimé que vous ne le fassiez pas. Je sais pas compris ce qu'il a dit. Je vais avoir besoin que vous me fassiez confiance. Non. Mais limite, le protagoniste, c'est pas un protagoniste, c'est un antagoniste. Hey, Kissy, je vais te laisser partir parce que... Je sais pas, le sous-titre n'a pas voulu mettre. Ok, 1995, tout le monde dit... C'est dommage parce que les sous-titres, c'est des sous-titres faits par des bots, enfin par le bot YouTube. Donc malheureusement, des fois, les trads ont un petit peu de mal, je vous mens pas. Mais bon, on comprend quasi la totalité, donc c'est très bien en vrai. C'est très très cool. Par contre, tout ce qu'on voit là, c'est qu'on a un Nightmare Katniss comme au début d'ailleurs. On te comprend pas, Katniss. Parle plus fort. Rapproche-toi. Bah non, te rapproche pas du coup. Reste loin en fait. Si on t'entend pas et qu'on te voit pas, c'est très bien. On s'en porte très très bien, sache-le. Ok, transition. Là, on retrouve celle qui se faisait courser par Miss Delight. Calme-toi, 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 ok? Ça va bien se passer. Tranquille, tranquille, tranquille. Bah, c'est pas si tranquille que ça, hein. T'as quand même une meuf complètement sociopathe avec une massue à pic qui a tué absolument toutes les profs. Bon. Un appareil, pourrais m'aider? Ouais, il faut que tu prennes le grappac là. Le masque et le grappac. Ou un fusil à pompe, c'est très bien aussi. Un beaucoup de shotgun dans la face de Miss Delight. Ça pourrait peut-être lui faire de bien et la calmer un peu. Donc le fusil à pompe, c'est peut-être pas une mauvaise idée finalement. Oh là là, on est en mode jeu vidéo là, carrément. First person. Oh, salut mon petit catnap! Allez, petite bastos dans la bouche, ça dégage. Ça se transforme en jeu de zombie, là, un peu à la Resident Evil. Oh là là, Doc Dead, tu vas pas commencer, toi, t'es gentil de base. En plus, tu fais comment pour avancer, là? T'as même peu de jambes, frérot. Bon, Doc Dead, c'est terminé, le petit catnap, c'est terminé. Par contre, là où ça risque d'être compliqué, c'est qu'encore le Nightmare Catnap, Yugi Woogie, je sais pas si on le reverra, Mommy Long Legs aussi. Là, c'est seul contre tous. J'aimerais pas être à sa place, hein, je vous le dis. Puis ça, tous ces petits Smelly Critters là, mais je crois que c'est juste des petites peluches, tu vois. Peluches pour enfants, elles sont pas vivantes. Après, ça va, maintenant qu'elle a un shotgun. Si jamais quelqu'un. Oh là là, voilà, là. Si jamais quelqu'un bouge, boum, ça dégage. Attends, la musique, ça me dit quelque chose. C'est pas une musique de zombie? D'une des maps zombies de Call of? Je crois que si. Ah là, c'est la vieille ref là. Eh non, désolé, Katniss. Oh là là, c'est trop bien. Eh, franchement, le film, il est incroyable. Je kiffe. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, en vrai? C'était pas mis dans les coms. J'adore. On change d'ambiance, c'est flippant. Il y a un peu d'humour et tout. Ah, Misa, t'es de retour? C'est quoi la leçon d'aujourd'hui? Les maths, le français? On va peut-être apprendre un peu l'anglais? Non? Et si tu en faisais la leçon de tu te prends une grosse balle dans la tronche? Boum! Voilà! C'est incroyable. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Et toi, fais pas de malin là par terre là. Sinon, on te. Je peux pas croire que tu l'as eu. Attends. Mais il parle, lui! Je ne suis pas comme les. Y a pas de différence ici. En fait, les Dog Day, ils sont destinés à perdre leurs jambes. Quoi qu'il arrive, peu importe le Dog Day, ils vont perdre leurs jambes. Par contre, il avait l'air trop gentil, le pauvre. Désolé, Dog Day, mais là, tu sais, c'est la survie, comme on dit, hein. Et puis, nous, on est dans le partage, y a pas de jaloux. Il y en a pour tout le monde. En vrai, il me fait de la peine. En vrai, il me fait un peu de peine. Arrête, Dog Day, arrête, pleure pas. Il va mourir, je crois, mais ouais, il était en train de mourir. Ah, est-ce qu'il va avoir des romans où elle s'en bat les reins? Je voulais juste voir le soleil. Encore une fois avant de mourir. Premier degré, je suis vraiment triste pour ce Doc Day. Il fait de la peine. Après, il n'y aura pas moyen de le recoudre ou quoi? Ouais, Miss Delight. Miss Delight, elle a pas perdu. Elle a pas perdu une seconde. Hein. Elle s'était cachée quelque part. Elle a attendu le bon moment. Oh là là, c'est terrifiant. Hein. Terrifiant. Oh, attends, est-ce que ce serait un autre personnage là? Encore. Dans un toboggan. Avec la musique, encore une fois. Salut, les Smelly Critters! Ça, c'est les toboggans de la Playhouse, hein!
je crois. Vas-y, sors, tu vas te faire graille le cul là. Tu vas te faire graille, vite, sors. Elle est lente aussi là, elle est lente, elle est là. Attends, mais quoi, il y a autant de piles là? Ouais, où est-ce qu'on est? J'arrive pas à savoir où est-ce qu'on est. On est toujours dans la. Dans l'école, je crois. Ouais, je pense qu'on est toujours dans l'école, à moins que ce soit l'endroit de fin. Tu sais, l'endroit. Non, dans l'école, ok, là, les classes, tout ça, ok, on est toujours dans l'école, donc normalement, logiquement, je pense que c'est toujours la femme. La vision de la femme. Et c'est bien calme, bizarrement. Ah, salut les Smiley Critters! Tout à l'heure, on a vu Dog Day, hein, franchement, on a passé un super moment, vraiment. On a joué un jeu, c'était le premier qui se prend une balle dans la tête, ça a gagné. Et si vous voulez, on peut carrément rejouer au jeu. Alors là, Kissy. Là, Kissy, tu sais comment nous parler. Enfin, t'as pas parlé, mais tu sais comment nous faire kiffer. Kissy, elle a sorti un lance-flamme fréo, je sais pas d'où. Mais ça va être barbecue party pour aujourd'hui. Qui a envie d'avoir un petit peu de poulet grillé avec Itchy Chicken, ainsi que du bon roast beef grillé? Je suis fatigué de ces jouets. Et de cette fichue école. Ouais, c'est génial. Et ça part en Tarantino, là. Là, on va avoir une fin qui va partir en vrille. Ah, c'est exceptionnel. Ah, bon, on la voit, tiens, pour la première fois. Ah, il avait ça en 3D quand même. Ok. D'une manière ou d'une autre, Kate, ah, c'était Kate, j'ai fait comprendre qu'elle était l'une des rares chanceuses à être arrivée à la station de jeu, à monter à bord du train et à ne jamais regarder en arrière. Plus jamais personne n'a entendu parler d'elle. Par contre, mon destin à moi était différent. C'est un petit catnap, ça, ou c'est... Oh, je crois que c'est un catnap, ça. Ah, quoique, non, regarde, il avait un médaillon. Waouh. Viens, descends avec moi. Mais t'es qui, toi? Je ne serai plus seul, tu vas voir. Ah non, tu ne seras plus seul, tu vas voir. Venez, les enfants. Ce film n'a aucun sens. Mais profitez de la chanson, en espérant qu'elle ne soit pas copyright. Enfin, une fin un petit peu joyeuse. Ah mais ils chantent en fait, ils chantent la chanson, l'heure de joie. Franchement, j'aurais dit la même, frérot. Quelle chanson. Au moins, celle-là, ce sera une version non copyright, c'est certain. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'à la fin de cette chanson, il va encore se passer peut-être quelque chose. Il a refait le clip à sa sauce. Par contre, gros respect. Et franchement, en vrai de vrai, après la vidéo, les amis, foncez dans la description, allez sur la chaîne de la personne, allez sur l'animation et bombardez-la la barre de... Et bombardez-la de barre de like. Enfin, là, bombardez la barre de like, je vais y arriver, donc bombardez-la de like. Parce que vraiment, le travail, colossal, hein. Colossal, j'applaudis vraiment. Incroyable. Et j'aime bien la touche humoristique qu'il y a dans le film. Non, en vrai, c'était cool. J'ai vraiment passé un super moment. Je sais pas si c'est vraiment la fin. Ah, il reste encore un petit peu, les amis. Il reste encore un petit peu. Mais attends, j'avance un peu. Parce que là, je veux juste voir si... Si on connaît la chanson, juste voir si... On n'a pas une scène secrète à la fin. Voilà. Là, c'est toute la chanson dans son entièreté. Et non, ça se finit comme ça. Et ben, franchement... Gros banger les amis, gros banger. Il y a d'autres créations sur sa chaîne, donc comme je vous l'ai dit, si jamais vous voulez qu'on découvre ça ensemble, reste ensemble au fur et à mesure des vidéos, et bah dites-moi tout ça, parce que franchement moi c'est un régal. Vraiment je suis complètement fan de la patte artistique de cette personne. Du coup bah n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, à laisser un petit like si vous avez kiffé, abonnez-vous, activez la cloche de notif, et allez voir la chaîne dans la description bien évidemment, pour aller soutenir davantage son travail, qui est vraiment un travail énorme. Allez je retiens pas plus les frites, prenez soin de vous, c'est là, ciao.